Alors tu vois, Julie, j'adore revenir tous les ans ici au Futuroscope. Et ben là, cette année, c'est encore plus génial parce que le parc et moi, on fête nos 30 ans en même temps. C'est pas génial, ça? Tantôt, t'as 30 ans cette année. Eh ouais, 30 ans. Toi, t'es née en 87. Ouais, enfin, je vois pas ce qu'il y a de bizarre. L'année de l'ouverture du Futuroscope. Oui, enfin bon, à quelques mois près, quoi. Combien de mois à la louche? Une petite soixantaine, max. Bon, on commence par quoi? Il n'y a pas très temps. On l'a fait il y a 2 ans. Ah ouais, oui, c'est vrai. Ouais. Je sais. L'âge de glace? Non, on l'a inauguré l'année dernière. Ah oh bah oui, mais là, depuis le temps qu'on vient, on les aura toutes faites, les attractions, hein. Non, pas celle-ci. Waouh. L'extraordinaire voyage? Oui, c'est la nouveauté de l'année. Tu te souviens, on faisait des photos devant la palissade pendant la construction? Ouais. Eh bien voilà, ça y est, c'est ouvert. En fait, il s'agit d'un tour du monde où tu voles littéralement au-dessus des endroits plus magnifiques. Non, mais ça va pas être possible, ça. Pourquoi? Bah, je sais que ça paraît bizarre, mais je suis devenue altitudophobe. Comme ça, d'un coup. Pouf. Altitudophobe, tu veux dire acrophobe? Non, j'ai pas peur de rester accrochée, c'est pas le problème. Non, c'est plus une question de vertige. Ouais, mais attention, un vertige de ouf. Alors là, survoler des trucs et des machins... Non, en fait, de toute façon, rien que d'y penser, là, je suis malade, tu vois, j'ai bouffé de chaleur. Si t'es malade, il faut te soigner. Et s'il faut te soigner, docteur Julie est là. Moi, je vais m'occuper de toi, tu vas voir. On va réussir à se le faire, cet extraordinaire voyage. Alors, comment tu te sens? Pas terrible. Alors, là, t'imagines que tu survoles, je sais pas moi, les pyramides. Tiens, les pyramides. Et alors tu... Oh. Ah oui, quand même, oui. Sandra, est-ce que tu sais ce que c'est que cet objet? Je sais pas, une machine à coudre, un Minitel. Sandra! Ah, oh, ça va, banane. Hey, j'ai 30 ans, hein, je suis pas has-been non plus, même si j'ai le vertige. Ceci est un casque de réalité virtuelle. Tout à fait. Et grâce à cette immersion 3D dans une réalité virtuelle augmentée ultra HD, tu vas pouvoir te confronter à des situations de stress sans prendre aucun risque. Et ainsi, tu pourras dépasser ta peur de... Oh la vache! C'est un truc de malade! J'ai l'impression d'être Futuroscope comme si j'y étais! Et au niveau tactile, oh là là, le surréalisme de dingue! Sandra, il est pas allumé ton casque! Ah, c'est pour ça que je pouvais te mettre des... Baf. D'accord. Mais pour mon problème de vertige, alors, tu peux faire un truc ou pas? Laisse tomber. On va passer directement aux soins intensifs. Viens, par pitié, fais-moi les dents! Quoi? Qu'est-ce qu'elle dit? Je te jure, si je m'en sors, je te ferai bouffer tes boîtes de mouchoirs en papier! Elle s'énerve un peu, là, non? Je t'épilerai les sourcils avec un fer à souder! Ah, si, si, là, je te jure, elle s'énerve. Je te ferai ranger les ongles de pied par un hamster! On va la faire descendre, hein, parce que sinon je la connais, c'est encore moi qui vais morfler. Ça va? Mais je suis désolée, mais j'ai pas fait exprès pour quand même... C'est vrai, je te dis. En même temps, c'est ma faute. Après tout, j'avais qu'à pas te forcer. C'est ton vertige. Et puis tu sais quoi? Je vais aller le tester toute seule, l'extraordinaire voyage. Oh, tu ferais ça pour moi, ma copine? Mais bien sûr. Après tout, comme ça, les gens y verraient à quel point je suis plus courageuse que toi. Et qu'en fin de compte, bah, la vedette, c'est moi. Et puis que je devrais présenter toutes les émissions. Tu sais quoi? Non. En fait, je vais la faire, moi, cette attraction. Je vais le faire. Je vais surmonter ma peur. Allez, on y va tout de suite. Hein? Tiens, calmement. Oh non, ça, c'est pour la laine. Oh, tiens, ça commence. Dis donc, dirais que t'as plus peur, toi. Cette année, pour les 30 ans du Futuroscope et de Sandra Lou, bien sûr, cet extraordinaire voyage est votre cadeau. Grâce à cette toute nouvelle expérience, vous allez pouvoir survoler comme un oiseau le désert égyptien, sauter en base jump des gratte-ciel de la futuriste Dubaï, vous faufiler à travers d'étranges montgolfières au-dessus de Yellowstone et vous laisser aspirer par une tempête en haute montagne. Une immersion d'un réalisme à couper le souffle grâce à un dispositif unique en Europe. Installé sur une plateforme basculante géante, face à un écran incurvé de 600 mètres carrés, diffusant une image en ultra haute définition,
définition 6K, vous plongez dans ces images sublimes et ressentez même les éléments avec du vent, de la brume et des odeurs. Le tout baigné dans une puissante ambiance sonore diffusée par 12 sources. De quoi pousser le vertige de Sandra dans ses retranchements ? Allons vérifier comment ça s'est passé pour elle. Sandra ? Ah mais non, mais elle a plus le vertige. Mais alors plus du tout même. Oh, c'est trop génial ! J'y retourne, j'adore, c'est trop bien. Et elle m'inquiète quand même. L'extraordinaire voyage, c'est extraordinaire, j'adore. Allez, venez, voilà, 16, 17 fois peut-être, je sais pas.